Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live! Les amis, j'ai bien l'impression que Fantasmagoria a enfin commencé. Mais mon Dieu, quel commencement! Mais alors, jusqu'où ira-t-il? Chapitre 5, vendredi 21 octobre, 8 h du soir. Mais je pleure du sang! Des joues coulent sur mes larmes! Encore ce fétiche bizarre de me foutre du ketchup partout sur la gueule. Oh là, attendez, mon micro s'est mis comme ça. 8 h 30. Oh, mais tu dors en Reebok! What the fuck? Je... I touch myself. Attends, mais j'ai fait une sieste ou... Ah mais non, parce que... Souvenez-vous, hier, mon mari m'a dit... La UV! Mais du coup... Je me réveille dans mon lit. Et je pleure du sang. Et les nuages sont ceux de Super Mario Bros. Super Mario World. Y a forcément un... Oh, il y a marqué sortez là. Vous le voyez ou pas? SORTEZ. Sortez. Forcément un autre truc. Là, il y a marqué EDLE. Et là, USD. Ou TSE. Là, il y a marqué FCND avec E. FTE. Shit. N-n-n-n-DTO. Vous sortez, vous ne vous sortez, ne vous fiez pas. Attends, ne vous fiez pas. Je. Attendez, vous voyez un vous? Vous ne vous fiez pas. Vous. Sortez-vous les doigts. Troisième ligne, DSK. Ah oui. Sortez, DSK. Ne vous fiez. Say. Si. Pas. Ensuite, dans le 79. Oh, Peter Pan, tu es là? Je vais sortir de ma chambre incroyable. La télé! Il y a peut-être de bonnes choses à la télé, à cette heure-ci. C'est le prime time. La prophétie, ne vous fiez pas à DSK, j'avoue. Didi. Bon, par contre, le truc, c'est que comme l'île est vraiment très grande et c'est très chiant de s'y balader. Alors, cette salle de bain, on a vécu de belles choses quand même. Est-ce que Gus DX est toujours là dans son landau? Très bien. On ne s'inquiète pas, on n'en parle à personne. Est-ce que mon mari d'amour est encore dans le studio photo. Et est-ce qu'un jour je vais manger des pâtes? C'était quand même la promesse du chapitre 3.
Vite, reviens! Don? Tu es là? Merci Mamba. Et rien d'autre? La salle de torture, est-ce qu'il se passe des choses? Je rêve où mon miroir déconne. Ah oui, non, là ça commence à être spécial. Comment je joue? Oh putain, je vois une scène de torture. Cette petite fête est pour toi, Regina. J'ai préparé tout ce que tu aimes. Hein, que ça a l'air délicieux. En entrée... Est-ce que je joue bien ou pas? Dans une belle sauce marinara. Ah, mais c'est vraiment une sauce marinara, bah nickel. Trip aigre douce. Trip aigre douce, mais c'est super beau. T'as moi quand même l'andouillette. Bon, pas par contre, pas en mode deep throat. Je ne deep throat pas mes andouillettes. Retenez-le. Cervelle grillée. Ah, c'est pas de la cervelle, ça. Délicieux. Oh là là, de la bave de crapaud. Oh, des pustules de chauve-souris. En s'écoutant la BO des visiteurs. Ah merde, apparemment il y avait peut-être un quick time event où il fallait bâcher la touche espace. Bon, et tout va bien. Oh putain, c'est balèze. Merci Bérunours. Attends, je voulais juste voir un truc. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un autre miroir. Merci Bérunours. J'ai bossé dans l'état des lieux. Dans le 79. Est-ce que tous les miroirs vont être cassés comme ça? Oh oui! Oh, putain, alors là, ça a commencé à être bien. Pitié! Non! Je te supplie! Je vais jouer la surprise. Jamais parler, hein? Jamais, jamais. Je ne fais que marmonner et marmonner encore. Et il n'y a pas de décor. Du coup, les persos sont mieux détourés. Le son du miroir est très fort quand même. Une dernière volonté? Non? J'ai une petite gaule quand même. Vite, sortons. Et rien d'autre. En effet, comme dit Tsukiki, la musique est un mélange de gloire à Satan et de festival de la saucisse. Trouvons vite d'autres miroirs. Là, je t'ai vu. Oh sérieux, y'a rien, putain.
Là, les miroirs vont bien. On capte rien d'étrange sur nos miroirs Spirit Box. Ça va trop loin, c'est radio libre, Benzaï, nous dit Goxis. Oh non, regardez! Oh putain, une scène de torture! Oh, j'ai enlevé la jambe de Woody, non! Oh oui! Des yeux de migale! Oh. On peut vous dire sans dessus dessous. Il n'y a pas une coiffeuse dans cette pièce là? Vas-y putain! Oh que dalle! Mon très cher Gaston, j'ai hâte de te revoir mon ange. Ça fait bien trop longtemps. Nous nous verrons la semaine prochaine à la fête de Zoltan, tous les deux. Nous irons sur le belvédère, loin des festivités. Mon ange, je languis de tes doux baisers, de tes bras puissants qui me serrent, qui me protègent. Et, amour, j'ai besoin de protection. Je crois que mon mari commence à s'en douter. Il me surveille jour et nuit. Nous pourrons peut-être partir, nous enfuir, loin de ses yeux jaloux. Ma seule consolation, c'est de penser à toi. Toutes les salopes. Ton amour qui t'adore, Marie. Laissez-moi travailler. J'ai tout compris. Ok. Putain, mais j'ai perdu mes repères. Oh mais putain, mais il se passe des choses quand même. C'est comme regarder un vrai bon film. Qu'y a-t-il, Cyrus? C'est maman. Elle m'a dit de vous dire de venir à l'étable. Attends. Pourquoi, Cyrus? Oh, un Oscar. Merci, Chris Redfield. Et rien d'autre? Je crois que c'est un rapport avec... Oh, une séance. Oh, ok. Merci, Cyrus. C'était quoi cette zik? Ah oui, là on est d'accord. Ça capte mieux en bas. Bon, vite, empressons-nous d'avoir une vision cauchemardesque. Oui! C'est comme dans la 64, tu peux être dans le monde magique de, là certainement de la crème glacée géante. Voyons voir. Oh mon dieu! Mais le son déconne! Faudrait réparer ce miroir. Hein. Oh Zoltan. Oh, mais c'est sûr que c'est lui le filou. En même temps, c'est le seul qui est. C'est le seul qui fait des tripes au aigre doux. Le niveau de Bowser, Benzaï. Ah mon cher mari. À la tienne. Oh, il en a rien à branler, hein. Oh. Non, oh. À la tienne, Victoria. Oh, la violence. Mais pourquoi, là, dans ce flashback-là, ils sont fantomatiques? Zoui. Oh, ça bouge. Ah, je me remets de mes émotions. Sur mon évier en CG. Samantha.
putain. Le mec qui s'en bat les steaks, quoi. À la tienne. Pschroul. Tiens. Prends ce tesson de bière dans ton œil. Je n'ai pas le temps. Je suis au temps. Bah vas-y. Bon, vite, à la grange. Là, c'est bon, maintenant, on s'y connaît bien. Je connais cette maison comme ma poche. Zoltan joue clairement un meilleur jeu. Bah, il joue à Postal, quoi. Maman, elle est... Ces gens squats sont des squatteurs chez moi. Génial, non? Ils sont fous aussi. Super. Bienvenue. Je pense que je mérite un petit peu ce qui m'arrive. Hein. Oh, toi qui cherches à parler aux esprits. Bonjour, Ariane. Vous êtes déguisé en placenta? Prenez place. Que la séance commence. Elle-même se fout de sa gueule. Mais là, c'est pas dans le scénario qu'elle rigole. C'est la vraie actrice, c'est sa vraie réaction pendant le tournage. Là, genre... Putain, merde. Et oui, hein, vous aurez entendu, c'est bel et bien la vraie voix de Lara Croft. Comme quoi, une bonne actrice peut être très mal dirigée. Au-delà, répondez-nous. Parlez-nous, oh ombre des ténèbres. Donnez-nous un... Vous avez pas du ménage à faire, espèce de parasite? Un signe de votre présence spirituelle. Et rien d'autre. Quoi que sa mort. Oh âme sans peine. Cette femme veut des réponses, mais à des questions inconnues. Vous devez juste... Oh non! Oh mon Dieu! Mais... Elle se casse la gueule! C'est tellement l'acting. Ah mais tout est normal. Non mais ça c'est, oui voilà. Moi le matin, franchement, quand je me racle un peu la gorge dans le bidet, ça ressemble à ça. Hein. Moi, Zoltan Carnovache, j'ai voulu en savoir trop. Bonjour. J'ai ouvert la porte d'une autre dimension. Mais no spoil, je te banne moi. J'ai libéré une monstruosité. Une entité parce que toi t'es venu du mal. Parce que toi t'es pas du mal. Toi t'es le bien, quoi. Maintenant la pestilence va une fois de plus nous infecter. Vous êtes l'élu. Seul vous pouvez la vaincre. Pourquoi? Pourquoi moi je suis l'élu? C'est moi qui l'ai libéré. Il vous montrera. Jean-Michel Acting. Ah oh, mon sang. Mais c'est incroyable. C'est pas croyable ce que je vois devant mes yeux. Waouh. Oh. Que s'est-il passé? Où est Cyrus? Vous n'avez pas vu? De quoi? Ariane, c'est réussi. Vous avez réussi. Vous ne m'avez pas marché, hein? Non, je ne ferai pas ça. Non, jamais de la vie! Ça ne m'est jamais arrivé avant. Non, on est à Rani. Cyrus, j'ai réussi! Non,
paradis. Nom d'un radis. On va faire ça. Ok. Il faut trouver le dragon. Mais attends, Cyrus, il s'est caché en PLS ou quoi? Bah putain, mais la grange, elle est changée, on peut même plus aller de l'autre côté. Bon, où est mon mari? Je suis l'élu en tout cas. C'est quoi cette zik? Non, Dada, radis et rien d'autre. Vite. Non mais vous pouvez aussi montrer ce qu'elle voit, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Tu joues la confusion. Mais Germaine, joue la confusion, voilà. Tu es confuse. Regarde un peu à gauche, regarde un peu à droite. C'est très bien. Fais encore ça 30 secondes, on a besoin d'une prise très large. Non, mais je pense que ce sera cuté. À moins que le monteur soit en vacances. Pourquoi j'entends des gens? Putain, je peux même pas tisonnier. Non mais je voulais aller là dans le trou. Mais vous voyez quand même le sound design, c'est assez intéressant parce qu'on sent qu'on s'éloigne du truc. On sait juste pas où on va. Oh putain, c'est balèze. Merci Françoise Cadol. C'est ma voix, t'as vu? Alors Françoise, si tu regardes ce stream, déjà ça veut dire que tu doubles Lara Croft en mode grosse bonasse. Pourtant t'as déjà doublé ça en mode grosse bonasse, mais mal joué, il y a 20 ans. Putain, c'est balèze. Merci de les super à 3D. Mais pourtant, je te fais la totale tout de suite, si tu regardes le stream. Je te fais la totale sur Skype. Là. Et aussi... rien d'autre. Ah non, attendez, on voulait... Ben non, mais je pensais moi que il y avait des gens qui mangeaient dans ma salle de ma cuisine. Encore? Oh non mais c'est chiant comme la pluie ça. Non mais je viens d'avoir une vie. Non mais attendez. Putain mais c'est bon. Il y a un glaire crotte de nez qui m'a fait une prophétie. Qu'est-ce que j'en ai à branler de ma diseuse de bonne aventure mécanique que je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Nous vous surveillons. Vous n'êtes pas seul. Je commence à me sentir seul. Merci Gambas 1991. Nom d'un radis. Et rien d'autre. Ah attendez, les gens disent Françoise Cadol. Moi je ne sais pas à quoi elle ressemble en fait, Françoise Cadol. J'espère qu'elle a 80 balais quoi. Des documentaires, des pubs, beaucoup de choses. La dernière fois, on était dans un restaurant. T'as plus. C'est qui? Bah, elle est mal cadrée. J'avais été choisie. Et je fais la bande. On nous demande pas les mêmes choses. Ah, elle a des images. Un petit mot pour les fans de Tomb Raider. Salut les fans de Tomb Raider. Je suis partie. Je suis plus avec vous, mais je suis toujours là. C'est vraiment la suite. Mais voilà, je vous embrasse. À très vite.
Eh ben... Le genre de maman qui ne devrait jamais s'arrêter d'allaiter. Bonjour, bienvenue sur Benzaï Live. Allons voir tout de suite dans la salle de bain s'il n'y a pas un miroir. Le truc c'est que moi j'étais tellement honnête dans ma démarche que j'ai même pas attendu de voir les photos. Ah mais attends, non mais si la merde, la salle de bain elle est là-bas. Merde. Nom d'un radis. Nom d'un radis. Oh putain, c'est balèze. Merci Gambas91. Elle fait la voix de Fort Boyard aussi. Ah, et rien d'autre? Mais là mon miroir n'est pas mystique. Quelque chose a changé dans le conservatoire. Bon bah alors là j'ai rien vu moi. À part genre voilà des lutins qui dansent, des gens invisibles qui visiblement s'enjaillent pas mal chez WAM. Mon mari il fait encore de la merde. Je suis occupé. Don. Ce jeu simule bien la vie en campagne. Hein. Tu es là ? J'ai passé des dimanches moins chiants que cette femme. Enfin, plus chiant même. J'ai passé des dimanches à me faire beaucoup plus chier que ça. Hein. Et le pire, c'est que c'est un dimanche où tu te fais chier, tu te dis, allez, je vais me mettre à jeu, et tu joues à ça 4 heures. Tu passes ton après-midi dessus. Parce que là, mine de rien, on est à 4 heures de jeu. Ça commence à faire beaucoup. Là, on aura eu le temps de finir une campagne Call of Duty. Quelque chose a changé. Cette porte est tellement trop grande. Saleté, c'est fermé. Oh putain. C'est balèze. Merci Scald. Nom d'un radis. Elle faisait la voix de Sabine dans C'est pas sorcier. Ah ouais, c'est elle. Putain. Raison de plus pour la remercier. En nature. Mais attends, mais l'absinthe, je m'en fous. Qu'est-ce qui a changé? Le piano. Oh putain. C'est balèze. Merci orthographe. Et rien d'autre. Oui, Fire Emblem Fate, c'est très bien. La broche, mais là, au-dessus de la porte. Vous êtes fous. Benzaï, les deux acteurs ont une relation après le tournage du jeu. Eh ben GG Woody, parce que tu partais pas gagnant. J'espère que tu vas avoir beaucoup de charisme sur le lieu de tournage. Mais c'est Zoltan, je le reconnais. Cuitas, les bananas. C'est bien qu'il y ait un piano, c'est un clavecin, c'est vrai. C'est vrai. Mais le sol a fondu là. Moi je vois pas ce qu'a changé dans mon conservatoire.
Quelque chose a changé dans le conservatoire. Ah, le truc tout en haut ? Ah, mais attends, parce que conservatoire, moi j'étais là genre, bah, conservatoire, un truc pour faire des concerts, mais non ! C'est le truc avec la peinture, mais oui, non, mais... Suis-je bête ? Ma belle-mère en a un. Merci, Layo. Merci, Alexis. Alexis Layo. J'ai le bonhomme, le lac bonhomme. Lac bonhomme, il est au-dessus de chez moi en Finlande. La boucle est bouclée. Attends, le conservatoire, il est... Non. Peut-être cette petite boîte là, dégueulasse. Voilà, là il se passe un truc. Elle est en JPG. Elle est dessinée à la main dans un monde où tout est filmé. Elle a bougé. Merde. À côté de mon canapé en 3D. Qu'est-ce que c'est ? Quelle expérience ludique phénoménale. Putain, mais waouh ! C'est fou. On n'arrête pas le progrès. Un dragon. Ah mais il l'avait dit ! Trouve le dragon ! Le dragon montrera le chemin. Faut un coup de marteau là-dedans. N'appelle pas ton mari surtout, hein. Moi je te lève, fous un coup de ta gueule. Par le fourchelant d'Harry. Nous dit Nobles. Ah oui, bah ok. Putain, ça, alors, j'imagine l'état des lieux qui a duré une seconde. Voilà, c'est une maison. C'est vrai, vous avez une maison ? Ah bah nickel. Voilà, on peut signer le bail ? Vous voulez pas voir la maison ? Non, mais je veux voir le bail tout de suite. Bah, j'ai pas signé la maison. Oh putain, c'est balèze. Merci, Layo. Yoga. Et rien d'autre ? Attendez, je vais changer, je vais switcher, je vais me prendre un Rini. Oh putain, c'est balèze. Merci, Jean-Marc Morandini. Que penses-tu de mon scandale ? Que tu es pédophile ? Oui, détournement, ça a l'air chelou, hein. En tout cas, visiblement, personne n'assume. Et la websérie est très cringe. Voilà, je reviens tout de suite. Alors je suis navré. Mais du coup, j'ai pas trouvé mes strepsils qui m'auraient un petit peu anesthésié la bouche pour ma rage de dents.
Donc j'ai pris ce qui se rapprochait le plus. Des M&M's. Donc je me suis enfermé. Ah non, en fait, non. Ça va. Oh, bah, tout va bien. Doctissimo sur 20. Frotman me fait marrer ce qu'il dit. Si tu trouves tous les miroirs dans le jeu, à la fin tu vois Françoise Cadol à poil. Je serais foutu de chercher cet achèvement. Non mais meuf, oh la caméra, oh la déformation. Ils ont été ambitieux. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas à l'aise. Merci Kyoshiro. Et rien d'autre. Pour faire découvrir les soutifs à ton perso, car les gants de toilette, c'est dégueu. Oh putain, c'est pas à l'aise. Merci Algo. Jamais d'eau sans toi. Hein. Et rien d'autre. Déjà, vous arrivez dans une pièce secrète dans votre maison. Vous voyez qu'il y a une espèce de monte-charge dégueulasse avec une valve rouillée. Merci Crushies. Et rien d'autre. Mais si vous voyez comment ça commence à bouger, vous êtes pas là genre cool, je descends et vous bourrez pas. Deuxièmement. Oh, putain, c'est pas. Merci Enigma le vieux. Je me flétris au contact du vent sous mes poils gris. Je sens le parmesan qui suit. J'allais dire un truc, c'est que il serait temps, eh bien, de faire cesser tout amalgame. Pas d'amalgame, à chaque pas d'amalgame, ce n'est pas parce qu'on met pas de soutifs qu'on a les seins qui tombent. Et ce n'est pas parce qu'on met des soutifs qu'on a les seins remontés. Au contraire, c'est juste une question de tension du muscle. C'est comme les gens qui pensent que si tu mets pas de caleçon, t'as les couilles qui vont tomber. C'est pas vrai. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais attends. Encore un autre monde charge? Qu'est-ce que j'ai trouvé, là? Un mégot de cigarette, on est d'accord? Mais fume-le, on va voir ce qui se passe. Donc, les filles, si vous avez des seins qui restent un peu en l'air, trouvez-vous un mec et faites des exercices qui retendent eh bien, les nerfs au niveau du buste. Faites des pecs. Faites-vous des pecs. Après, ça reste en l'air. Troisièmement, tous les seins sont dans la nature. Donc après, ben, voilà, ça peut avoir des formes différentes. C'est pas, on ne vit pas dans Alerte à Malibu. Troisièmement, quatrièmement, les soutiens-gorge ne sont qu'un lobby dégueulasse qui est fait pour vous cacher les tétons. Mais je suis où là? Oh putain, c'est pas à l'aise. Merci Gambas. Et rien d'autre. Attends.
pourquoi on est retombé dans la pièce de Dorothée? Mais putain, mais on peut avoir un autre caméra? Attends. Mais ça t'a pas trouvé le cul. Explorer les passages secrets. De nouveaux lieux attendent d'être découverts. Mais je vais même pas revenir. Arrête de manger les M&M's. Quoi, l'autre mur? Quoi, l'autre mur? Faut placer ton truc sur la bonne pixel. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas de clou de girofle en Finlande. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas dû explorer là, parce qu'il est là. De nouveaux lieux s'offrent à vous. Un mégot de cigarette là. Donc quoi? Parce que là, il y a comme ça, mais il y a un truc là. C'est quoi ça? Ah ah! Mais du coup, ça c'est quoi? Mais attends, j'ai loupé un truc ou quoi? Suis-je con? C'est du n'importe quoi, il faut visser les clous de girofle. C'est bon. Bon, ben, baladons-nous. N'appelle pas ton mari, surtout. Un trou. C'est merde. Trop loin. C'est un sacré saut. Quand on connaît là, le pédigré de Lara Croft. Regardez, des fois, ma souris se bloque là. Je sais pas pourquoi. Arrête! Mais pourquoi? Mais ma souris est pétée ou quoi? Explorer les passages secrets. Wow, et voilà. On mystique hein, quand même.
Donc attends, mais il y a un trou qu'on peut pas... Mais par contre, je peux aller là. Ah ouais, il fallait le trouver, l'angle. Hein. Bon, allons en face. C'est inquiétant, quand même. C'est quoi le mur? On sait pas. Des pixels. Merci, nous devons trouver notre chemin jusqu'à la cave du Sénat, Gungan. Oh merde! Est-ce qu'on va pouvoir... Bon sang! T'es en train de me dire qu'on n'avait jamais visité cette pièce? Zut! Il ne doit s'ouvrir que de l'autre côté. Boca qui dit oh un conservatoire. Bon, on est fou. Petit poster de Fu Manchu. Quoi? Attends, quittons. Laissez le signer à l'endroit précédent. On faisait ça. Ok, là j'ai compris. Bon, on va peut-être explorer un petit peu parce que... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai eu le malheur de zapper le déplacement. Alors qu'il y a sûrement des choses incroyables à deviner et à trouver. Que je vais mourir. Il me semble qu'on peut mourir dans le jeu. Hein. Oh oui, une vision. La vision, la vision. Des tripègres doux. Merci Tony. J'ai repris un MNM juste parce que ça fait chier une Kniveus. Oh putain, il est flippant le petit poupon. Encore et toujours ces putains de miroirs. Ils avaient peu d'idées quand même. Hein. Pour un jeu dont les décors sont virtuels. C'est totalement du jeu virtuel. Là, 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 je me balade chez moi comme si j'étais chez quelqu'un d'autre. Mais... Oh, j'ai trouvé le chapeau. Ah non. Carnot et Malcolm, 1897. Malcolm, ça me dit quelque chose. Mais c'est le vieux qu'on a vu. Il devient un méchant. Non, c'est bon. Alors ça parle de la série Malcolm qui a le nom de l'animé qu'on voit
qui a pourtant été diffusée en France, qu'on voit 5 secondes brièvement dans l'intro de Malcolm in the Middle. Est-ce que vous êtes des vrais ? En ouvrant la porte du mystère. Les textures bien localisées. Oh. Là, vous m'impressionnez. Oui, c'était l'animé Nazca. Qui est passé sur Game One à une époque. C'était pas mal. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Attends. La coiffeuse, le poster. Regarde, on peut même pas se barrer. Ah mais si, oh, putain, oh là là. Mais cassons-nous. Putain, et la salle est si grande et si dorée. On s'en fout. On m'a dit de pas sauvegarder là. Bon alors, qu'est-ce qui s'était passé pour finir le chapitre ici ? Pourquoi tout à coup j'avais la clé ? Don. Oh merde, Don est ivre mort ! Monte-lui dessus ! Tu vois comment ça fait ? Don, regarde-toi. Il est possédé par un démon alcoolique, non ? Je m'en fous après tout. Je m'en fous, voilà. Je dors, je fais de l'acting. Je vais me coucher. Ah, il bouge la main pour dire... Banzai Live. Et rien d'autre ?